belle histoire de Pierrot le pédalo. Il était né un beau soir sur le quai de Neuchâteau. Son père était un paquebot, il s'appelait Victor Hublot. Sa mère était une chaloupe, mais ça c'était pas un scoop. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est une nouvelle chanson hein, pour vous aussi. On va appeler, on ne l'appellerait pas nos camarades hein. On va appeler du renfort. Vous pouvez les appeler les autres là. Sous vos applaudissements et sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, les plus grands cyclistes du moment. Voilà, le cocaïne normal renommé mondialement. Avec son Twitter d'ailleurs, Tom Banane. Ah, il y a la banane pour le dire. Et enfin notre champion du monde en titre, Philippe Dibière. C'est Maxime, trop fort, il est trop fort. Ah, tu vas voir, Philippe, avec eux, ça va aller, je suis sûr. C'est sûr qu'ils n'ont pas pris trop de... Le PO, non. Non, non. Ça va, toi, vous êtes tous prêts? Attention. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il a passé son enfance à regarder le Tour de France. Il faisait le tour du lac en suant de l'ammoniaque. Il se prenait pour Philippe Gilbert avec sa véranda de travers. Il se prenait pour Cantador qui se mangeait de la mandragore. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Petite Rosette qui était une jolie barquette, elle mettant le grand micro, elle en suit jusqu'au bientôt. Il leur gardait que chrono, la tête au ras de l'eau. Il rêvait de Jacques Longo, et l'embrassait comme un salaud. Oh oui, oh oui. Cette histoire, c'est que c'est bien de faire du vélo pour devenir un beau gaillard et ploter les filles sur les photos. Moi j'aime regarder les filles, mais quand elles sont jolies, je préfère le Kama Sutra que le PO à tour de bras. Oh, oui, oh, oui.